New York avec toi. Ça y est, c'est parti, l'édition 2021 du Printemps de Bourges est lancée. Premier concert à guichet fermé. Alors, pour le reste des spectateurs, c'était sous la pluie, mais le soleil était dans tous les cœurs. J'étais un peu frustrée, déjà l'année dernière, il n'y a rien eu. Donc là, je trouve que la ville a vraiment fait un effort pour nous faire plaisir et c'est magique, quoi. Profiter de la pluie, de la musique et de la bière, comme tous les ans. Un écran géant à consommer sans modération, contrairement au reste. Le public berrichon est ravi de retrouver son festival avec, en ouverture, Jean-Louis Aubert. Là, ce soir, parce qu'on peut ressortir et ça fait du bien, le printemps de Bourges. J'aime les concerts, la pluie pas trop, mais voilà, j'espère passer un moment sympa. Un bon début, on sait très bien qu'avec les conditions sanitaires, c'est pas évident, mais au moins on peut profiter, on peut commencer à revivre et puis ça va aller qu'en s'améliorant, donc on va en profiter. Et puis on sait très bien que l'année prochaine, on espère pouvoir revivre un printemps normal et sortir sans masque et sans jauge et peut-être avec le soleil. L'envie de se retrouver après le Covid et tout, donc passer un bon moment ensemble, donc voilà. Et si pour eux la vie c'était pas le paradis. Un paradis atteint hier soir, journée pluvieuse qui marquera les annales. Prochaine étape ce soir avec Feu Chatterton et Catherine Ringer. Oui, c'est ici.